观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语快讯，我们带您一起直击当下热点新闻。An e、monde, 下面请看详细内容。 俄罗斯正式宣布，将在2024巴黎奥运会之前，于6月20号至23号主办2024年金砖国家运动会。俄罗斯因拒绝以中立国名义参赛而未被邀请参加2024年奥运会。预计约有50个国家参加金砖国家运动会，约4500名运动员，共有25个比赛项目。据悉，只有35个国家反对俄罗斯参加奥运会，而有一百七十一个国家表示赞成，其中八十二个国家赞成俄罗斯在奥运会上升国旗、奏国歌。 La Russie a annoncé officiellement qu'elle organiserait les Jeux des BRICS 2024 du 20 au 23 juin avant les Jeux Olympiques 2024 à Paris, auxquels la Russie n'a pas été invitée en raison de son refus de concourir sous drapeau neutre. Une cinquantaine de pays devraient y participer, c'est-à-dire tous ceux qui ont déclaré leur désir de rejoindre les BRICS, soit environ 4500 athlètes, et cela concerne 25 sports. Il n'y a que 35 pays qui sont Contre la participation de la Fédération de Russie aux Jeux Olympiques et 171 pays pour, dont 82 sont pour la participation de la Russie avec le drapeau et 据摩洛哥公布的最新报告，摩洛哥周五至周六夜间发生的七级地震造成两千一百二十二人死亡，两千四百二十一人受伤。报告称，超过一半的死亡人数发生在豪兹省和塔鲁丹特省，分别有一千二百九十三人和四百五十二人丧生。这两个村庄区位于高阿特拉斯山脉的中心地带，到目前为止，救援行动仍在继续。 Selon un nouveau bilan rendu public au Maroc, le séisme d'une magnitude 7 survenu dans la nuit de vendredi à samedi au Maroc a fait 2122 morts et 2421 blessés. Plus de la moitié des morts ont été recensés dans les provinces dal Haouz, avec 1293 morts et de Daroudan avec 452 morts. Ce sont deux zones montagneuses au cœur du Haut-Altas, selon le ministère marocain qui fait état de la poursuite des opérations de sauvetage. 据《费加罗报》报道，欧洲经济正在严重放缓。欧盟委员会于九月十一号星期一发布的最新预测也反映出了这一趋势。欧盟委员会目前预计，二零二三年经济增长百分之零点八，而之前二零二三年春季的预测为百分之一；二零二四年增长百分之一点四，而之前春季的预测为百分之一点七。欧元区也未能幸免经济增长率的下调。二零二三年国内生产总值预计增长百分之一，二零二四年预计增长百分之一点三。 Selon le Figaro, l'économie européenne est en train de ralentir sérieusement et les dernières prévisions de la Commission européenne publiées lundi 11 septembre font état de ce coup de frein. La Commission européenne mise désormais sur une croissance de 0,8% contre 1% lors de ses prévisions de printemps en mai 2023 et de 1,4% en 2024 contre 1,7% annoncé précédemment. La zone euro n'échappe pas à cette révision à la baisse. Le produit intérieur brut devrait y augmenter de 1% en 2023 et de 1,3% en 2024. C'est la fin de cette émission, merci à vous de l'avoir suivi à bientôt sur Montaran TV.